Bonjour. Saviez-vous que 79% des Canadiens sont aux prises avec des problèmes de dos et de cou? Comme vous le savez, cela affecte beaucoup l'efficacité et la productivité de votre main-d'œuvre. D'ailleurs, cela a créé cette toute dernière expression qui est très actuelle, qui s'appelle le présentéisme, qui fait en sorte que les employés sont présents à leur travail, mais pas efficaces parce qu'ils ont des problèmes de santé. Ils ont des malaises qui coupent leur efficacité. Et c'est pour cela que je suis ici pour vous guider. Marie-Hélène Cabis de Face Yoga Passion. Le yoga facial est un outil innovateur au Québec. Je suis la première qui est certifiée du Face Yoga Method au Québec et j'ai travaillé 25 ans dans le milieu des affaires. Alors, ayant moi-même eu des problèmes de santé, j'ai amené cet outil pour vous aider afin que vous soyez conscient que tout est possible d'amener du bien-être à vos employés. Alors, le yoga facial, ce n'est pas juste le visage, c'est tout le haut du corps. Alors, ce qui fait en sorte que si nous sommes beaucoup, beaucoup devant les ordinateurs, on est courbé, la tête est baissée, on n'a aucune respiration, d'oxygénation qui se fait convenablement. Je suis là. Je vous aide, votre équipe, vos équipes, à pouvoir relâcher les tensions. Parce que si nous travaillons beaucoup vers l'intérieur, là, je vous aide à amener la circulation, amener la respiration. Parce que tout débute par la colonne vertébrale. Si la colonne vertébrale est croche, la tête va être croche, va être asymétrique. Si la colonne vertébrale est droite, la tête va être droite. Ou on amène à ce moment-là de l'oxygène. Alors, je suis ici pour vous guider, guider vos équipes à vous créer, premièrement, de reconnecter avec leur corps, faire en sorte de réduire les tensions dans le cou qui sont reliées, la mâchoire, qui sont reliées avec le cou, qui sont reliées avec les épaules. Une personne sur deux qui a des problèmes de mâchoire, c'est l'anxiété, c'est le stress qui se loge. Même avant de dormir, beaucoup les gens on dorment stressés. Alors, ils grincent des dents pendant la nuit. Alors, on peut relâcher ça avant de dormir pour se réveiller en forme et être à l'aise avec son corps. Il y a aussi les tensions qui sont créées par les yeux. Une étude qui a été faite par Léger, 1500 Canadiens ont mentionné que 67% des problèmes oculaires sont reliés directement avec la quantité et le nombre d'heures qui sont mises devant des écrans. Alors, ceci consiste de la rougeur des yeux, les yeux qui deviennent secs, qui causent des problèmes, tout est relié ensemble, les yeux qui deviennent rouges. Le yoga facial touche à ce moment-là tout à peu près 45 muscles dans le visage. Alors, nous travaillons ceci pour relier, réduire. Alors, je suis là pour guider vos équipes, pour se conscientiser de son corps, amener la respiration pour relâcher ses tensions. Relâcher, amener de l'aisance, amener aussi de la concentration pour qu'ils puissent avoir de meilleures opportunités pour prendre les meilleures décisions, amener de la créativité, amener de l'efficacité, mais beaucoup de bien-être, d'avoir des saines habitudes de vie afin qu'ils puissent être bien dans leur peau, d'amener aussi de beaucoup de bien-être pour les employés qui se sentent respectés. Alors, Marie-Hélène Cabis de Face Yoga Passion. Je vous guide à travers des outils par Zoom, des exercices que j'offre pour vos employés, ainsi que des vidéos qu'ils peuvent utiliser chez eux, faire des exercices, et on crée une communauté de bien-être pour que les gens soient bien et amener aussi la société à un autre niveau pour respecter son corps. Merci beaucoup. Bonne journée.